Salut les gars! Eccoci qui per il terzo episodio. Avremo la festa sorpresa per Daphné. Vediamo un po' come reagirà perché sapendo cosa sta affrontando in questo periodo, nei primi due episodi l'abbiamo vista veramente provata emotivamente, quindi vediamo un po' se prenderà bene o male questa scelta di Lola. Prima di lasciarvi la reaction, come sempre, intro! Colpo, raga! Qu'est-ce que vous faites là? C'est Lola qui a tout organisé. On s'est dit que ça te ferait du bien puisqu'on ne voit plus en ce moment. Puis c'était 18 ans quand même. On n'avait pas raté ça? Bellini! Poi la Daphné vicino. Et regarde, qui est-ce qu'on a ramené? Ça fait des mois que je t'ai pas vu. Oh, ma non! Adoro! Che belli, aiuto! Quanto amo le feste di Scam? Emma! Non mi sembra molto felice. L'interazione Arthur con Luca, muoio. Enfin, elle est pas rangée donc. Oh bah t'inquiète, ça pourra jamais être pire que celle d'Alex. Mais je suis juste là en fait. Non, c'est pas une bonne idée. Elle est pas rangée donc. Il y a des trucs qui traînent partout, tu comprends, c'est juste un t'inquiète. È super tesa, si vede proprio, mamma mia. Oddio. Tu vois quoi? Un truc triste. C'est quoi le troisième l'autre soirée? Non, scusate, io ancora non li digerisco, sti due. In senso buono, cioè nel senso che mi piacciono un sacco come coppia di amici, cioè nel senso proprio tipo interazione fratello maggiore, fratella, sì, la sorella minore, sono troppo bellini. Perché gli ho mentito? Cioè, non trovo la ragione. Non vuole dire a Luca la verità sull'Urbex. Chissà, vabbè. Due DVD dans les affaires de ma mère et j'ai croisé Elliot, on a discuté. C'était cool? Carrément. Carrément cool. Je me demandais si on n'allait pas s'enfumer un énorme. La Trinità, attenzione. Arthur, ma che Merci. fai? Non, t'inquiète, je suis bien. Tu peux? Oui. Cosa belli! Due soli sono, sempre detto. Alors, comme ça, on a son mec? C'est juste qu'il est un peu stressé en ce moment avec le bac et tout. S'il apprend que je fais ce genre de soirée, il va m'aider. Non è una Et puis, depuis scusa. qu'on vit ensemble, moi j'en ai besoin des moments. Moi c'est la même. J'ai besoin parfois de marcher et sortir. Sinon j'ai tout. Due. C'est Ciao, pareil, uguale. toi et moi. Un peu, ouais. Appunto. Bello. Mais là pour toi, t'es la seule à faire ma gueule. Je te l'ai dit 20 fois, je veux pas le fêter cette année, tu peux comprendre ça. C'est 18 ans, t'as pas Et alors, je te l'ai dit, tu comprends pas ça? Litigano come marito e moglie, io li amo. Allora, io lo so che è un momento difficile per Daphné,
Però, cioè, Lola voleva fare una cosa carina per lei. I 18 anni, si dice sempre una volta sola, insomma. Boh, vabbè. Cioè, io approvo la festa. Insomma, era un progetto carino per la sorella. Cioè, era un pensiero dolce, insomma. Cioè, una volta che vediamo Lola fare una cosa umana, molto dolce, carina, nei confronti della sorella, no, Daphne deve sempre... Enfin, je piche pas trop là, c'est quoi le délire? Lola, le délire, c'est que je veux pas qu'elle voit tout ça. Mais ça quoi? Mais ça, tu crois que c'est pourquoi que je les invite jamais? Ils ont tous des baraques de malades. Donc c'est pour ça que tu fais la gueule depuis le début de la soirée? Parce que t'as honte? Qu'est-ce que je t'ai dit? T'accordes trop d'importance à ce que les gens pensent, Daphné. Bellissimo. Écoute. Tes potes, ils en ont rien à foutre de commencer chez toi. Au pire, ils seront juste un peu surpris parce que tu leur en as jamais parlé, c'est tout. T'es là, tu te plains, tu gâches ta soirée et la leur. Alors qu'ils ont tous annulé leur plan pour être là ce soir, avec toi. Applausone, la voce della verità, brava, si è fatta valere. Vabbè, che abbiamo capito che ormai che Lola non ha peli sulla lingua, però insomma, con Daphne si vede che sta prendendo un po' più di coraggio a parlarle direttamente. Moi, j'ai pas la chance d'avoir des amis comme ça. Lacrimuccia 2. Alors arrête d'agir comme une conne et va profiter d'eux. Et lâche Basile. Quand je l'ai prévenu, il a failli chialer tellement il était content que tu passes une soirée avec lui et tes amis. Vas-y. Réveille-toi. Brava là. Brava. Falle capire un po' in che situazione sta circondata da amore, non se ne accorge. Dai, su, oh, la vedo più rilassata, più tranquilla. Sì, due amori della vita. Oh, si è scatenata, finalmente. Bellina che è, Daphne, piango. Il sorrisino. Madonna, quanto è carino. Pure i regali, piango. Pour compenser le cadeau pourri de l'année dernière, en fait. Désolée d'ailleurs. Et comme ça, tu pourras l'utiliser pour la fac de com. Non, mais enfin, en fait, juste, je sais pas quoi dire là, c'est beaucoup trop. Merci, 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 merci. Waouh. Belli. Super Joyeux emozionata. anniversaire. Oddio. Merci. C'est pas grand-chose, hein. Ma che bello. Ta grand-mère, l'avait offert à ta mère? Je me suis dit qu'elle aurait certainement voulu que tu l'aies toi aussi. Io ho brividi, mi viene da piangere. Merci. Oddio, Daphne, quegli occhioni Je tutti t'aime. lucidi. Perché inquadrano gli Elu così a caso che mi fanno soffrire ancora di più? Merci à tous d'être là, vraiment. Franchement, je suis désolée pour ce début de soirée. Et Tranquilla. je suis vraiment trop contente que vous soyez là, en fait. Regà, io quanto amo Arthur, che c'è sempre il sorriso da qui a qui, Madonna, io lo... cioè, non ce la faccio. Che poi, cioè, è Robin, cioè, nel senso, non c'è differenza fra i due. Basta. Insomma, vogliono far piagne, ho capito. No, vabbè. E chi ce la fa? Piango. Merci d'avoir fait tout ça pour elle. Je suis content que vous soyez là, l'une pour l'autre.
Comme quoi? Vous êtes sœurs. Vous êtes censés vous aider. Quel beau message. Bon, c'est ton tour. Comment ça l'a fait pour moi? Ben oui. Tu te faisais du mal. C'est elle qui nous a prévenus. Si elle avait pas été là, j'imagine même pas ce qui serait passé. Allora, sono molto contenta del fatto che le due sorelle abbiano trovato un punto di incontro e che stiano veramente legando a questo punto, perché insomma il gesto che ha fatto Lola nei confronti di Daphne penso che è proprio da vera sorella. Tutto il discorso che le ha fatto di incoraggiamento a lasciarsi andare, a non essere troppo presa dal momento tragico della sua vita e di lasciarsi circondare da tutto l'amore che ha intorno, da Basil, dagli amici e sottinteso ovviamente anche da lei. E niente, che bello. Certo, la fine è un po' drammatica, diciamo così, nel senso il focus su Lola e su tutto quello che ha passato, insomma. C'è stato il momento di esplosioni Daphne, di gioia, lacrime, sorrisi, tutto il positivo e poi con il discorso del papà si ritorna tipo con i piedi per terra a parlare di Lola, a parlare di quello che ha fatto Daphne se non ci fosse stata lei. Quindi bella botta, sempre, devo dire, mannaggia oh. E niente, li fanno sempre penare. Comunque sto amando queste due sorelle, anche se sono sorellastre, però insomma il loro rapporto sta evolvendo e questa cosa mi fa molto piacere, quindi speriamo vada avanti così. E niente, detto questo, e vi aspetto per la prossima reaction. Bisous!